Il semble que le 9e prime de la saison 11 de Star Academy réserve aux téléspectateurs une soirée spéciale avec des artistes emblématiques des années 1980. Parmi les invités annoncés, Jeanne Masse chantera son célèbre titre « En rouge et noir », tandis que Larousseau interprétera son tube « Tu m'oublieras ». Ces performances promettent de replonger le public dans l'ambiance musicale de cette décennie et offriront aux élèves de Star Academy l'opportunité de partager la scène avec des artistes de renom. Il s'agit d'une tradition dans le programme de faire venir des personnalités de la musique pour collaborer avec les candidats et enrichir l'expérience artistique de chacun. Le 9e prime de la saison 11 de Star Academy s'annonce riche en émotions avec la participation de plusieurs artistes de renom. Michael Jones, collaborateur de longue date de Jean-Jacques Goldman, accompagnera les académiciens sur le célèbre titre « Je te donne » qui a marqué les années 80. Les années 2000 seront représentées par Isabelle Boulay et sa ballade « Parle-moi ». Pour mettre à l'honneur, les années 2020, l'artiste corse La Petite Culotte interprétera son single « La Goffa Lolita ». Enfin, le duo électro Offenbach, connu pour ses nombreux tubes, offrira un medley événement. Après une semaine sans élimination, le changement majeur pour cette saison est la réduction du nombre de nominés de 3 à 2, ce qui a choqué les 7 candidats encore en compétition. Le sort des nominés reposera entièrement entre les mains des téléspectateurs et les noms des deux nommés seront révélés ce mercredi soir à la fin de la quotidienne.